Et yo yo, bonjour à tous! Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, aujourd'hui nous allons partir dans Erebus! Et ouais, on va partir dans le monde des insectes. Pour ceux qui ne connaissent pas Erebus, ça sera un monde un peu. Pour moi, ça va être la galère, parce que je suis un peu arachnophobe et on m'a dit qu'il y avait pas mal de grosses araignées dégueulasses. Donc, ça va être un petit peu la mourance. Mais enfin, bref! Erebus, donc c'est une dimension avec des insectes. Voilà, c'est malin, j'ai oublié de faire un truc avec ça. Je voulais faire un beau début comme ça avec les shaders, c'est tout, mais je galère un petit peu. Tac. Et j'ai l'impression d'avoir un bug. Il suffit que je ferme mon inventaire et que je le rouvre de temps en temps. Et mon truc se vide complètement. Mais je crois que c'est bon. Problème réglé. Donc, pour commencer, petit Erebus, il nous faut faire le portail pour aller dans les dimensions. Et pour ce faire, il nous faut d'abord de la stone. Hop. Il nous faut commencer par faire un altar. L'altar de Erebus, qui est celui-là, Offering Altar, qui s'est fait avec de la stone, de l'or, 4 stones, pardon, 3 stone bricks, un obsidienne et un golden goat. Voilà, donc je l'ai préparé. Ici, bim, je l'ai. Ensuite, on va aller dans ma salle au porto, directement. Je pense qu'on va le mettre. On va le mettre où? Ah ouais, ça fait des bonbons, ça. Je pense qu'on va le mettre là. Comme ça, j'aurai un petit peu plus de place pour mettre mon piédestal. Ou je vais peut-être le mettre là. Ouais, on va le mettre. Non, on va rester là. J'ai encore pas mal de place, hein, pour mes portos. Il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été faites. Mais enfin. Donc, on va mettre mon petit altar ici. Et sur celui-ci, on va prendre un obsidienne, une émeraude et un diamant. Car nous devons créer la Pierre of Gaia. Ah. Nous devons faire ceci, le Gaia Gem de Erebus. Donc il vous faut l'offering altar. Vous faites clic droit avec les items. Bim. On patiente. Et fusion. Ça va fusionner. Ça bug un peu dans les murs, hein, mais ça va fusionner et nous aurons notre Gaia Stone. Gem. Gem, stone, tout ça, on connaît, hein, c'est du kiff-kiff. Zut, par contre, je me demande s'il y aurait une musique un peu spécifique dans le. Dans le monde de Erebus. Et voilà, bim! Nous avons notre pierre. Done. Voilà, c'est bien. Donc j'ai la Gaia Jam. J'aime. Et maintenant, il nous faut une Staff of Gaia. C'est le bâton, la baguette qui nous permettra d'ouvrir le portail. Donc, juste prendre ça et le poser à côté. Tac. Donc avec une Gaia Stone, 3 sticks, 4 lianes et un gold, vous avez le Staff of Gaia. Nickel, donc c'est déjà bon. Je vais récupérer celle-là. J'en aurai besoin pour l'autre monde. Et maintenant, nous allons construire notre portail. Ici, donc. Hop. L'avantage avec Erebus, vous pouvez construire votre portail dans la forme que vous voulez. Si vous voulez pas faire un rectangle standard, vous pouvez partir dans tous les sens. Il faudra juste remplir tout de feuilles à l'intérieur. Donc moi, je vais rester dans un portail standard. Ah, j'ai prévu la place pour. On va pas aller plus loin. Ensuite, vous prenez des feuilles, n'importe lesquelles. Normalement, avec tous les modes, ça fonctionne. Vous les posez à l'intérieur. Ensuite, il nous manque quelque chose qui est ceci. La Gaian Keystone, qui se fait avec de la liane, de la stone et de l'obsidienne. J'aurais pas dû casser ça. Tac. Et c'est ce qui permettra d'ouvrir le portail, simplement. Bim! Voilà, on va reprendre celle-là. Et je vais prendre mon Gaian Keystone. Je vais le mettre là. On prend notre staff. Faut que votre Gaian Keystone soit devant votre portail. On va voir si là ça fonctionne, j'ai un doute. Non, ça va pas. Faut que je sois plus à côté. En face, peut-être. Ah tiens! Ah tiens, ça veut pas. Qu'est-ce que j'ai merdouillé? Je sais pas, là. Shift, le milieu. Ah, on adore, c'est génial. Tiens, tiens. Génial. Bon, bah, comme d'habitude, hein. J'en reviens. Et voilà, donc j'essaie juste en enlevant des blocs derrière, en mettant des oak leaves. Et maintenant, je mets mon truc. Et bim, voilà, nous avons l'ouverture du portail. Pour tout vous avouer, j'ai un peu les boules. J'ai pas spécialement envie d'aller. Je vais d'abord aller ranger 2-3 trucs. La meuf qui fait traîner en longueur. Je veux pas, il y a des insectes. C'est que là, c'est des araignées, pas mal de petites choses. Oh là là. Donc, on va essayer de faire les achievements tout en même temps dans cet épisode. Afin que tout soit perfecto. Donc,
Je voudrais essayer de replacer ces blocs, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je vous dirai une valeur, mais bon. Parce que ma maison, elle est... Oh, mais c'est classe comme ça, on voit tout le portail. Non, on va rester comme ça, caché, c'est un peu mieux. Parfait. Bon, bah les gars, on va y aller, hein. Allez, taillot, on est barré, go. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. A secret below the world. Pas mal. Alors, attention, j'arrive où? Ça va, l'avantage, c'est que je suis sous terre. Abrité de l'artifice. Donc on m'a dit, tu feras gaffe, tu ne pourras pas rentrer directement à la maison parce qu'il te faudra découvrir un truc pour ouvrir le portail. J'ai oublié de noter ce que c'était, bien entendu. Hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et normalement... Il y a effectivement de la musique. Oh. Wow, voilà, j'ai cassé un bloc, ils sont contents. D'accord, donc là nous y sommes. J'essaie de faire en volant le moins possible. Oh, j'ai pas envie, c'est dégueulasse. Je voulais juste voir un truc, les achievements. Qu'est-ce que ça donne? Vous êtes où? Oh, mais cette musique! Donc là, j'ai fait le token. Ensuite, il faut... call a maggot. Squishy slime and totally fun. Kill a beetle larva by jumping on top of it. D'accord, lui saute sur la tête. Oh, what's this? J'ai tué le boss et tout ce que je récolte, c'est ce t-shirt tout pauvre. Donc. Ah ouais! Attendez. Regardez-moi cette musique d'ambiance. A Fallen Knight, donc là c'est un zombie normal. Ah c'est cool ça. Umberstone, c'est classe. Il y a de la terre plutôt pas mal. Bon. Partons un petit peu en exploration, ça ne met pas du tout la pression. Je suis étonnée, il n'y a pas d'insectes. C'est quoi ça? Ah, c'est du coal. Ça te met pas du tout la pression, hein, de la niaise. Voilà, je massacre tout, hein. La musique ne me met pas du tout la pression, ça va, t'es plutôt à l'aise. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, crompi. Crompi. Zombie creeper. Donc ça se passe plutôt sous terre, pour l'instant, on est dans des cavernes. Oh, c'est quoi ça? Ah, oh, dégueulasse, 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 c'est quoi déjà? Bon, bah ils sont morts. J'ai pris des patates avec, je vais prendre des frites, c'est pas grave. Le acacia. Donc c'est de l'acacia, ça donne des styles. Ah pardon. Ça commence. Oh putain, mais j'ai d'emménager, mes voisins vont péter un câble. Donc il y a des zombies, des creepers. Oh, il y a un truc là. Ah dégueulasse, 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 dégueulasse. Oh, c'est immonde, c'est une araignée, c'est immonde, c'est immonde, c'est immonde, c'est immonde. Oh, berk, je vomis. Oh, je vomis. Iiii. C'est quoi, des montres religieuses? Oh, je vomis. Ah, ah. Oh, c'est dégueulasse. Meuf. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est pas un monde pour moi, ça. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu. Ah, mais mourez. Je brûle là-dedans. Firebloom, cool, je récupère. On va récupérer quand même des petites choses. Ah, oh, avec oh, ces bruits. Ah, oh, c'est dégueulasse. Oh, il y a un mille pattes là-bas, il y a un sorti pot. C'est dégueulasse. Ah. Ah, ah, dégueu. Ouais, c'est un sorti pad. C'est dégueu. Oh, il y a une node. On va aller voir là en bas, c'est quoi ça? Des trucs intéressants. Ah non, 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 non. Je m'envole juste parce que, apparemment, je m'enfonce là-dedans. C'est quoi ça? C'est une plante? Oh, pour l'eau, je peux pas. Glowing Swamp Erebus. Pas mal, intéressant. Ouais, là, il y a une node. Bon, c'est pas grave. On fera le tour des nodes une prochaine fois. On n'est pas là pour ça. Un moustique, d'accord, un mosquito. C'est lesquels qu'il faut leur sauter sur la tête? Ah, c'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là. C'est bien dégueulasse, ça. Les mosquitos, là, vous mourrez, s'il vous plaît. Meurs. Oh, ça donne des... il y a des bestioles partout, c'est immonde. Je suis pas trop fan des insectes, là, je vous avoue. Donc, des mouches. C'est trop marrant, les mouches, par contre. Les mouches, j'aime bien, ça me dérange pas. Je peux vite faire un petit tour achievement. Donc, on a fait ça. Donc, ça, c'est pour le boss.
Killer Beetle Larva by Jumping a Beetle Larve. Ah, c'est une petite larve. Ah, c'est beau ça, des boules roches, des roseaux. Plutôt pas mal, ça tu peux d'une croupe après tout de suite. Ah, oh, c'est beau ces arbres aussi. Mahogany. Oh, ça c'est dégueulasse, ça me donne la chair de poule avec leurs pattes là. Ouais, bah tais-toi. Je suis désolée. C'est dégueulasse. Ah, c'est immonde. C'est quoi ça? Oh! Wand of Preservation. Préservation. Ça sert à quoi ça? C'est une baguette? Non? Ça doit faire quelque chose? Je ne sais pas. Je voulais faire un truc par contre. Je voulais faire ça. Me prendre un bag, un Borderland. Voilà, ça ira bien. Et mettre tout dedans ce que je récupère parce que sinon je vais jamais y arriver. Tac, ça je jette. Et tout le reste, je vais garder. On ne sait jamais. J'ai plus de musique. C'est triste. Donc normalement, je dois. Ah, oh, quicksand, c'est ça, c'est du sable mouvant. Tout mou. Ah, d'autres araignées. Ouais, niveau araignée, il y en a pas mal. Donc il y a vraiment des biomes différents, c'est vraiment cool. Oh, celle-là, elle est dégueulasse. Oh, je vomis. Oh, ça, c'est immonde. Oh, c'est immonde, ça ressemble à une vraie araignée. Oh, oh, je peux pas, ça. Oh, il y en a deux! Je suis en train de fermer les yeux devant mon écran, c'est débile. Oh, il y en a deux, c'est immonde, je peux pas aller là-bas. Ça, je peux pas, par contre. Déjà, avec les noirs du Nether, avec le dos rouge, là, j'avais vraiment du mal. Et comme je me déplace, je vais y passer. Oh, elles sont dégueulasses. Ah, des centipodes là. La lave. Je voudrais bien retrouver des. C'est. Oh, c'est pas pour moi, j'en ai une dimension aujourd'hui, aller avec les garçons. C'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu. Ouh, donc, normalement, je suis censée trouver aussi un temple pour trouver le boss. C'est quoi ça? Ouh, intéressant. Très intéressante. Ah, c'est quoi ça? Oh, mais il y a que des araignées dans ce monde. Ils pouvaient pas mettre d'autres créatures dégueulasses que des araignées? Oh, mais c'est immonde. Arrêtez de mettre des araignées là. Oh, j'en peux plus de ces bestioles. C'est immonde ça. Oh, ça. Ah, ça va, ça me dérange moins. Bonjour. Des botfly, d'accord, botfly. ça va. Bon, il y en a marre. Je vais voler un petit coup pour essayer de chercher encore ces petits insectes. Il y a des araignées là, berk. Chair de poule. Je vais essayer de trouver de ces insectes là. Mais les biomes, ils sont vraiment classe. Hein. Je trouve que les biomes sont vraiment. Crush room. Ah ouais, il y a un truc là. Ouah! Antiliotrophe gardienne. Bonjour. T'es coincé? Ah! Attends, il me donne quoi? Weakness, d'accord. Je rêve ou je lui fais pas de dégâts? Ah si. Il y a des. Donc le crush room, il est ailleurs. Il est où le crush room? Parce que j'ai sa barre. Minou, c'est devant l'écran. Mais Ah, c'est dégueulasse. C'était quoi ça? Magma. Ah, c'est bruit d'insecte dégueulasse. Crush room. Il serait en haut. Attendez, on va. Il serait plus loin. On va essayer de le chercher. Ah! Ah, d'accord. Ouais. Ah, génial. Ah, j'ai nausé. D'accord, on adore. Bleh. Donc, ouais, faut les écraser. Quand tu les écrases, tu fais des sprouts et le crush room, il est là. D'accord. Oh, nausée, c'est dégueu. Et niveau achievement, maintenant, ça donne quoi? I've never seen a diamond in the lava. The beetle larva drops a diamond. Ah, d'accord. Donne-moi un diamant. J'ai que des larves. Donc, il y a beaucoup d'achievements avec les larves. Et le crush room. Oh, j'ai gueulé, moi, ici, dedans. Hein, c'est dégueu. Zombie fourmi. Ah, une fourmi zombie. Et le crush room, il devrait être par ici. Ah, oh, c'est classe ça! Des dark shrooms. Je vais juste prendre un peu de hauteur.
Et c'est vraiment classe ces shrooms, j'aime bien. Par contre, le crush room, j'arrive pas à le. Serait-il de l'ambre? Tout ça, c'est de l'ambre, hein. Pour garder les insectes dans de la pierre. Les enfermer dans de la pierre. Je sais pas où il est. Crush room. J'aime pas, il y a plus de musique, ça me stresse encore plus. Alors, crush room, où es-tu, Big Boss? Serait-il là-haut? Apparemment, je suis toujours dans la zone vu que. Ah, il est là. Vous voyez, c'est ça. Ça doit être ça, le bonhomme qui est là. Il y a un scarabée avec à côté. Ouais, ça doit être ça. Donc, c'est un shroom. On va éviter de le faire tomber. Est-ce qu'il va m'attaquer? Le crush room est là. Bonjour, monsieur. Oui, il est pas gentil. D'accord, il est vraiment. Ah, quoi? Quoi? Chut. Non, 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 non! Mon épée, mon épée! Mon épée! Je lâche à chaque fois mon épée. C'est mauvais ça. Ah, c'est bon, j'arrive quand même à lui faire pas mal de dégâts. Hein. Easy. C'est plutôt cool. Donc j'ai eu un mini-boss, une abeille. Voilà, merci, au revoir. Et voilà. Elles sont trop mignonnes ces fourmis! Oh, bichette! Les fourmis, par contre, j'adore. J'en veux une chez moi. Le bruit du scarabée, par contre, il est bien. Quoi, 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 quoi? Quoi, quoi, quoi? Oh, la musique, c'est pas moi. On va se calmer avec la musique, hein. On va bien se calmer avec la musique, hein. C'est bon. Oh, elle est trop mignonne. Regardez ça, c'est une fourmi. Une black ant. T'es trop mignonne. Viens là, chipette. Poutou, poutou. Elle est trop belle. Ah, elle est trop belle. Les fourmis, par contre, j'adore. Ça me dérange pas. Toi, t'es méchant? Ouais, toi, t'es méchant. T'es méchant ou pas? Stag Beetle. Ah oui, il est méchant. Ah non, c'est parce que je me fais attaquer par un shroom. D'accord. Les fourmis, elles sont pas méchantes. Je me fais attaquer par des shrooms. Faut que je mange. Donc ouais, ici, niveau shroom et niveau musique, ça va. Hein. Ça va aller, je crois. Bon. On va continuer un petit peu à explorer. C'est quoi ce machin? Rotten wood. Du bois moisi. C'est quoi celle-là? La moisissure. C'est classe comme bois. Comme arbre, comme ça. Ouais, c'est pas un arbre. Hein. C'est un bois moisi. C'est cool. J'ai un cul de chat sur mon... sur mon truc de souris. Mino, décale ton cul, s'il te plaît. J'aurai mon pad. Merci. La musique est vraiment sympa, hein, je trouve. Bon, on va essayer de trouver le boss, vu qu'on a fait la plupart des achievements. Il faut juste que la larve me donne un loot. Oh, il est énorme, ce scarabée. Ouais, puis vous êtes pas gentils, les scarabées, c'est bon. C'est dommage, moi je vous aimais bien. Et on peut faire des armures, justement, aussi, avec Erebus. Il faudra vraiment que je baisse la musique. Vous avez les armures ici, les exosquelettes qui se fait avec le truc de scarabée. Les jelly qui se fait avec des jades. Et j'ai des exosquelettes. Non, des flywings. Exosquelettes. Wasp sting. J'ai pas mal de petites choses. On va baisser encore la musique. Parce qu'ils abusent un peu. Génial. D'accord, c'est plutôt cool. Et il faudrait que je trouve le boss. Donc ce serait une espèce de dôme. Il y a des mosquitos là-haut à nouveau. Des zombies, des squelettes. Ah, ils sont classe les cactus. Prickly Pear Cactus. Ah, j'aime vraiment bien, je vais récupérer. Donc après, niveau biome, c'est vraiment classe. Hein. Vous avez 50 000 types de biomes différents. Des fourmis de feu. Elle est pas gentille. Ça me fait penser aux fourmis rouges, justement, qui viennent t'attaquer facilement. Dès que les fourmis noires, elles te font rien. C'est marrant. Ah oui, je tape en AO. J'ai activé mon épée en 3x3. Pour ceux qui se demandent pourquoi je... J'arrive à one-shot des ennemis. Enfin, one-shot, oui, mais que je les tue en 3x3. Il y a un mass mob là, il est sur un cheval. Et ça, c'est quoi? Un stem. Intéressant. Vous avez vu, je les massacre en 3x3 là. Bon, les blizz là, c'est bon. Le cheval de l'apocalypse meurt quoi. Meurt. Yes, j'ai eu un cœur rouge. Cool. J'ai pas mal de. J'ai trop de stuff. C'est quoi ça? Magma crawler. Intéressant.
intéressant. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Ça aussi, ça aussi. Je récupère tout le reste qui m'intéresse. Après, il y a pas mal de trucs qui ne sont pas très intéressants. Epic Shader. C'est quoi ça là-bas? C'est un scarabée de... Non, c'est des araignées de feu. C'est des araignées, ça. Oh, c'est dégueulasse. Les araignées, je peux pas. Je ne peux vraiment pas, les araignées. Je suis désolée. Je trouve ça trop dégueulasse. Elles sont immondes, les araignées, dans ce monde. Je vais rester dans le biome, là, derrière. Après que je trouve le temple du boss. Que je tue encore des larves. Tout doudou. Et pas mal de petites choses. Bon, les potes, je vais vous laisser là. Je vais un petit peu fouiller. Ah, scarabée bleu de la lave. Bonjour. T'es gentil? T'es pas gentil, toi. Meurs. Toi, t'es pas gentil. Vilaine. De l'ambre. Mais meurs! Sale bait. Oh non, j'ai tué celle qui était par terre. Elle était bleue, elle était jolie. Oh. L'ambre, elle est vraiment classe. J'adore cette ambre-là. Et la mouche, tu fais rien, toi, t'es gentil. Je vais mettre des mouches dans mon biome aussi. Je suis tombée sur des araignées. J'aime pas ça, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est des araignées avec des ailes? Il y a des antipodes aussi, ça c'est dégueu. Ah, des mosquitos. Bon, je continue à explorer. Si je trouve un truc intéressant, je vous montre. Et sinon, c'est plutôt standard. Allez, je vous reprends à tout de suite. Attendez, je me suis fait piquer par un truc et j'ai dosé et j'ai eu blindness. Je sais pas ce que c'est. On m'a envoyé un truc dessus. Je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est les abeilles qui piquent et qui font ça? Pourtant, ah, je crois qu'elle avait un dard qu'elle m'a envoyé dessus. Ça devait être ça. Mais enfin bref, je continue. J'adore ces bestioles, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Oh, ça fait rien, ça attaque? Ah ouais, ça attaque. Meurs, ça bait. Bon bah voilà, encore des petites bestioles. Mais les centipodes, c'est vraiment dégueulasse, ça, quand même. Bon, go! Bon, on a un souci. Enfin non, c'est bien, j'ai trouvé un boss. Mais le problème, c'est que je suis tombée sur le boss que je ne voulais surtout pas trouver. Donc le boss Tarantula, donc c'est le boss des araignées, de la tarantule. Le truc bien dégueulasse que je pourrais mourir si je devrais la regarder, je pense. Je devrais... C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est elle. Ah ouais, donc ça doit être elle. Elle doit être là-dedans. Oh non, j'ai juste pas envie d'aller là. Oh, j'ose même pas imaginer les araignées qu'il y aura là-dedans. Est-ce que je peux... Je veux pas, il y a déjà des spawners. Oh, j'ai déjà cassé un coffre, il y a déjà des spawners à araignées. Oh non, 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 non. Oh non, 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 mais non, mais non, mais non, je regrette, je veux pas. Je peux pas. Si, je peux, allez, on va y arriver. On va trouver l'entrée déjà. Parce qu'apparemment, j'étais pas au bon endroit. Il n'y a pas d'entrée, d'accord, génial, on adore. On va rentrer ici. Hein? Oh! Bon, ça va, celles-là sont pas trop dégueulasses. Ça pourrait être pire, mais je ne reste pas au sol, je pense, hein, parce que c'est juste immonde. Quoique. Je veux enlever le son! C'est dégueulasse, 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 dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Meurs, meurs, mourir, 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 mourir. Là, c'est dégueulasse. Oh, je peux pas, hein, les gars. Oh, ça va être un peu la focale sur moi. Donc, en théorie, t'es censé monter par le tronc principal. Si tu ne voles pas, il y a encore un truc là. Elles vont toutes spawner, c'est dégueulasse. Celle-là, ça va. Je déteste celle qui a des micro-pattes là. Celle qui a ces toutes petites pattes dégueulasses. Ça, j'ai vraiment du mal, quoi. Toutes celles-là, ça va. On va vite ranger un peu notre bordel. Ah d'accord, une sharpness, une gold. Oui, j'ai trouvé un petit truc trop sympa. Hein. Bon, on va ranger un peu tout. On verra bien, tant pis, s'il y a des trucs que je devrais... Ah ouais, bah oui, mon bag est plein. Efficiency 3, pas mal. Dragonfly Wing, cool. D'accord, mon bag est plein. Je vais devoir en prendre le deuxième. Ça va être... Ah, puis il y a des coffres là-dessus, d'accord. Ouais, il y a Thorn, Flame. Ok, sur tous ces trucs, il y a des... Oh, Jade Sword 3. Ça, c'est pas mal. Auto-smelt, pas mal. Sinon, rien du tout. Je vais prendre surtout le stuff qui est de Erebus.
Ah, je me prends dedans. Et sinon, le reste, ça ne m'intéresse pas. On va faire ça. Je vais te faire ça. Je vais garder mon petit deuxième sac ici. Celui-là, comme ça, je peux ranger tout le bordel dedans. Et jeter tout ce que je n'ai pas besoin du rotten. Ça, je jette, ça, je jette, ça, je jette. Des shrooms, voilà, qu'on s'en fout un peu. Il y a pas mal de petits trucs intéressants. Ça, je jette. Non, ça, je jette. Je jette, je jette. Ouais. D'accord, je suis full. Un creeper, c'est intéressant, j'en ai besoin. Les cotton seeds, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Du sulfure, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Du magma, oh, on s'en fout un peu. Allez, magma ball, mais bon. Et j'ai mis dans des trucs. Non, non, rien dans l'autre sac. Donc, normalement, t'es censé monter par là. Et j'ai déjà pas très envie de monter par là. What? Ça va, c'est encore les mêmes. Donc c'est le même type de combat. Après tout le monde part ici. Et apparemment, oh, dégueulasse, 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 dégueulasse. Laissez-moi descendre, laissez-moi descendre, laissez-moi descendre, laissez-moi descendre. Brrr, je vomis. Oh, c'est dégueulasse avec ces bruits d'araignée. Oh, mais il y avait des petites araignées dégueulasses. Oh, c'est quoi ces petites araignées dégueulasses? Ah, mourez! Ah, c'est dégueu, c'est dégueu. Je vais faire une crise cardiaque sur ma chaise, laisse tomber. Ah! Mais voilà, ça va péter un câble. Ah, mais mourez, sale bête dégueulasse. Ah, mais tais-toi. J'ai mon chat qui regarde les araignées, genre, hey, c'est quoi, qu'est-ce qui passe? La mamie, elle va mourir. Je vais faire une crise cardiaque. Efficiency, on s'en fout, efficiency, on s'en fout. D'accord, donc on est plutôt pas mal. Ouvre ton bourreau de lande là. Les yeux d'araignée, on se bat avec la race. Et je vais déjà enlever ces lianes de mort là. Parce que je peux voler. Donc si je peux éviter de faire une crise cardiaque encore une fois. Donc ce gros machin là. Donc, pour le combat, c'est vraiment chaud, hein. Donc si tu vas depuis le sommet de l'arbre, tu peux venir depuis là, d'accord. Donc tu peux rentrer. Oh, elle a des bébés araignées dégueulasses. Ah, puis c'est pas le moment de venir vers moi. Donc ça va, elle est pas dégueulasse, elle est pas trop trop dégueu. Je vais aller la combattre comme ça au corps à corps, hein, on s'en fout. Est-ce que je peux au corps à corps? Ah d'accord. Carrément, d'accord. On adore. Ok. Prendre des dégâts, non, tu connais pas? Je pense que je vais faire un aller-retour pour aller chercher des popos of Thrones. Par contre, ça c'est chemin. Pourquoi elle a un shield ou je rêve? Attends, je vais essayer de regarder où est son point de armor point. Je peux ou je peux pas? Ah d'accord, quand elle saute, ça met blindness, nausée et slowness. Est-ce qu'il y aurait des trucs à casser par hasard? Parce qu'elle a une espèce de shield, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y aurait des choses à casser? C'est un shield ça ou pas? Non, ça n'a pas l'air d'être un shield. Est-ce qu'il y aurait des choses à casser autour? J'ai lu des conseils, ils disaient de mettre plutôt weakness et d'être patient. Donc, bon, les petites araignées, elles ne me dérangent pas. Je prends pas mal de dégâts sur mon armure. Ouais, j'arrive pas à lui faire des dégâts. Aïe, voilà, elle m'a remis blindness. Mais enfin. Est-ce que. Je sais pas comment la tuer. Est-ce qu'il y aurait un ordre pour les boss ou pas? Il y aura un spawner. Ouais, c'est bon là. Je sais pas comment la tuer. Donc attendez, je vais aller me renseigner un petit peu et je reviens. Bon, j'ai trouvé la solution. Il me faut un arc. Voilà. J'ai trouvé la solution. Il me faut un arc. Donc j'ai fait un bow of the wyvern et j'ai des haros normaux. Donc pour l'instant. Ça descend gentiment, donc je suis renseignée, donc faut savoir que la tarantula elle aura plusieurs phases. Donc là c'est la phase distance et après vous aurez une phase mêlée. Donc là c'est un petit peu longuet, hein. Donc je vais faire ça et dès qu'on passe à la phase 2, je vous reprends. Et voilà, nous sommes passés à la phase 2, donc la phase mêlée, vous avez vu, elle a perdu son bouclier, la masse araignée en bas. Et reboot du serveur de 30 minutes. Donc là, il faut juste que j'aille tout près et que je t'atteigne. Donc j'ai juste. Elle va me charger, vous avez vu, elle est devenue orange. Et elle va me charger. Je voudrais juste buter sa araignée, elle me donne du poison. Et voilà. Je l'ai tuée. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Tu meurs ou tu meurs pas?
Oh. Je vais m'attendre le t-shirt et j'ai la tarantula egg. Et j'ai le tarantula boss trophy. Nickel. Et ça? Et j'ai un œuf de tarantule. C'est dégueulasse. Bon ben voilà. On aura vu Erebus pour l'instant. Il y aura apparemment d'autres boss. Il y en a encore 4 autres, des mini-boss et des gros boss. Donc pour l'instant, je vous laisse ici. Cet épisode aura bien trop longtemps duré. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour la suite des aventures. Allez, bisous, ciao.